Le réseau Robert Keller. Chapitre 1. 16 mai 1940. Quatre soldats burinaient des paramines entre les pierres d'un pont. Les bâtons de dynamite attendaient sur la rive dans un sac à patates. Le pont enjambait un bras de somme et le canal du nord à un jet de pierre de l'hôtel de ville de Péronne. Les Allemands approchaient. Les radios étaient formelles. Ils avaient gagné Cambrai. Avant midi leur ligne de front aurait atteint fin, et d'ici trois jours à ce rythme, tout le fleuve, de Saint-Quentin à Amiens et jusqu'à la baie. Péronne, sur la route des Flandres, était une petite ville de maisons basses construite en briques rouges, tout autour des lanières d'eau que la somme forme dans toute la région. Chevelure de fleuve où chassait le canard. Ce jour là, des carrioles quittaient la ville en longeant ces marécages vers l'ouest chevaux, ânes, couvertures, valises, pailles et victuailles, des familles qui espéraient franchir le fleuve et trouver refuge en Normandie, s'inquiétant pour leurs garçons partis à Dunkerque, dans les Ardennes ou en Belgique. D'autres ne pouvaient pas bouger, marcher si long, où il fallait rester pour les bêtes. D'autres ne voulaient pas et se postaient derrière leurs fenêtres, fusil en main, descendait à la cave à l'approche de l'aviation, remontait, d'autres encore attendaient que ça se termine prêt à ouvrir les bras le moment venu. Des charrettes renversées barraient symboliquement les routes. On avait saboté les usines. Robert Keller roulait depuis Roy pour chercher deux de ses techniciens des PTT. Il les avait laissés à l'aube, au voisinage du château médiéval, à réparer un câble du réseau téléphonique souterrain sur une ligne stratégique pour les transmissions au cœur des combats qui se déroulaient au nord. La fourgonnette grise des PTT à remorque bâchée de verre était à moins de cent mètres du pont au moment où les soldats le quittaient en courant. Ils firent signe en sa direction de cinq doigts d'une main en criant cinq secondes, boum, cinq secondes. Keller accéléra. Le ciel clair profitait à l'aviation allemande, et il y avait ce vent doux de fin mai qui portait une odeur de cendre et de poudre. Passant au rapport inférieur, le moteur hurla, et la fourgonnette prit un coup de fouet de vitesse. Keller vit alors le virage à gauche assez serré qu'il attendait en sortie. Cinq secondes pour cent mètres, puis freiner avant de virer. Il savait qu'il avait ses hommes à récupérer. Presque arrivé au bout, ce fut la déflagration qui poussa le camion hors du pont, soulevant ses quatre grosses roues et gonflant la bâche. Keller fut projeté contre le volant, souffle coupé, virage raté. Fossé, buisson, Keller ouvrit les yeux par terre dans le camion, se dit, sa penche. Les pieds toujours près des pédales, la tête lourde contre la portière de l'autre côté, il eut l'impression d'avoir été évanoui des heures quand il vit de la fumée et entendit le sifflement continu de ses oreilles, il comprit que le pont venait tout juste d'exploser. Il n'était resté inconscient qu'une fraction de seconde, ou peut-être pas du tout. Il se rassit sur la banquette inclinée, puis ouvrit sa portière, sortit facilement et observa les dégâts. Pas grand chose. Les buissons soutenaient encore le véhicule. Trois roues touchaient le sol, dont les deux motrices avant, c'était suffisant. Douleur dans les côtes. Le moteur tournait encore. Il roula quelques mètres dans le fossé qui se redressait de lui-même, retour sur la route, au ralenti. C'était bon. La bâche défaite des, des PTT flottait derrière lui comme un drapeau. Il retrouva ses techniciens en bordure d'un bosquet qui dissimulait le château. Il n'arrêta pas le moteur, descendit en passant une main dans ses cheveux bouclés et blonds, secoua un peu la poussière qu'il pensait avoir sur la veste et observa ses hommes, de ses yeux gris clairs et vifs, qu'il fit cligner rapidement pour chasser la peur qui risquait de s'infiltrer a posteriori. — C'est terminé, Robert L'avantage des obus, ça creuse pour nous, regarde Keller s'approcha du trou, d'un peu moins de dix mètres, dont le fond avait été comblé, et su le travail bien fait par Pierre et Laurent, des dizaines de câbles fins détruits ressoudés un à un, puis rengainés, le tout recouvert de la terre environnante. Le combiné de liaison avec les vérificateurs de la station était posé dans l'herbe à côté de sa sacoche en cuir avec les pinces et le fer à alcool. Bon travail, les gars, allez, remballez vite, pas le temps d'aller à Albert, d'autres vont tomber. C'était quoi cette explosion tout à l'heure? demanda Laurent. Keller sourit. Le pont où des soldats anglais m'ont laissé aimablement passer. Il va falloir en trouver un autre. Au même moment ils se tournèrent vers le nord, un bruit caractéristique enflé, des avions approchaient. Après avoir fixé leur mal à outils à l'arrière, ils s'installèrent au coude à coude sur la banquette, puis Keller roula très vite sur des routes très minces, soulevant la poussière des chemins de terre jusqu'à Saint-Christ-Benoît. Moins qu'un village, quelques maisons, beaucoup de barques vides, de foulques, sarcelles et poules d'eau flottant sur les traits et taches éparses d'un fleuve qui semblait déchiqueté. Keller hocha la tête et sourit. Il y a un vieux pont qui ne va pas supporter l'armée allemande. Notre camion va passer. Son ton n'invitait pas à la dispute ni au doute, non parce qu'il était autoritaire, mais parce qu'il était visible que Keller savait, et qu'on pouvait lui faire confiance là-dessus, sur cet hypothétique pont, dans un village, noyé entre les méandres et les tresses, simple bosquet humide et maudit pour quiconque tomberait dessus par hasard. Robert Keller connaissait la région. Pour y avoir posé les équipements du réseau que ces hommes venaient de réparer pendant que lui-même sabotait une autre ligne à roi qui, elle, ne reliait pas à Dunkerque. Pour y avoir pêché aussi. Pour y avoir fumé des cigarettes à l'aube sous les saules pleureurs, tandis que sa Georgette enceinte de leur troisième enfant faisait des siestes dans une barque immobile au creux d'un bras mort de la Somme.